Brap, mes petits crottés! Yes, sir! Mes petits tout croches de fond de classe. Hey, bienvenue à l'épisode de Maurice Richard, donc l'épisode 9. Eh bien, sans plus tarder, je tiens à présenter mes acolytes que j'aime tant. Suzy Veilleux, Mathieu Genet, bonsoir. Bonsoir! Vous allez bien? Super! Excellent. Alors, les élèves, prenez place, asseyez-vous, levez le son de vos écouteurs. Ici, on va faire le plan de cours. Alors, pour commencer, Mathieu, ton oral parlera de quoi aujourd'hui? Moi, mon oral, je l'ai préparé la semaine passée. On était supposé l'enregistrer la semaine passée. Fait que j'avais préparé un truc un peu à saveur québécoise, geek québécois. Okay. Alors, des produits québécois geek à consommer. Excellent. Donc, tu classerais ça dans quelle matière scolaire? Économie familiale. J'adore! C'est donc ton deuxième cours d'économie familiale avec nous. C'est vrai? Oui. Chris! C'est le sujet qui nous a... La matière qui nous a le moins marqué. Deux fois déjà! C'est parfait. Suzy Veilleux, ton plan de cours ressemble à quoi? Yes, moi, c'est un cours d'histoire aujourd'hui parce que je vous offre un véritable retour dans le temps. Je vais souligner les 20 ans d'un album marquant. Oh, wow! Alors, il va y avoir deux cours d'histoire cette semaine parce que moi aussi, ce sera histoire. Je vous raconte la triste et mystérieuse histoire de la petite Maddie McCann. Mm-hmm. C'est quelque chose d'extrêmement triste sur la disparition d'un enfant. Mais hey! On reste sympathique pareil. On est comique pareil. Tout ça, on va être dans la... On va parler d'un enfant qui a disparu, mais dans la joie. Donc, c'est très maladroit comme phrase. Mais hey, le podcast game, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a besoin de vous, nos auditeurs. Merci, vous êtes de plus en plus chaque semaine. On le voit avec nos réseaux sociaux. Continuez à nous suivre, Instagram, Facebook, name it. Et puis, ce qui est super important dans le podcast game, c'est d'avoir les fameuses 5 étoiles sur les plateformes là où on est disponible, donc sur iTunes, sur Spotify, sur Balado Québec, whatever quoi, si tu peux nous noter, donne-nous 5 étoiles. Comme ça, dans les moteurs de recherche, on sort dans les premiers ou dans les suggestions, on est souvent dans les premiers. Et puis, c'est ce qu'on veut, être le plus possible écouté. On veut être des premiers classes, on veut passer nos examens, on a besoin de 5 étoiles. Parce que ça fait longtemps qu'on est assis dans le fond de la classe à lancer des bouts de défaces. Puis là, je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on se fasse respecter un peu. Sinon, si, mettons, tu dis « Wow, j'aime tellement la gang que j'écoute en ce moment. » Il semble que j'en prendrais plus. Un podcast aux 2 semaines, c'est pas assez, les boys and girls. Ben, ce que je te dirais, c'est abonne-toi au Patreon. Le Patreon, c'est seulement 3 piastres. Là, tu fais 3 piastres. Combien? Toi, 3 piastres! Voilà. Et c'est seulement 3 $ et puis tu as le droit à la retenue. Alors, tu t'en viens avec les tout-croches. Dans le fond de la classe, on met les chaises en rond, on prend une petite bière, on discute de sujets, ma foi, pas catholiques, souvent, le 3/4 du temps. Tu sais, des conversations de bar, de container, de derrière d'école. Tu sais, on fait péter des pétards à mèche. Bien, si tu viens péter des pétards à mèche avec nous. C'est nous autres. Et même que des fois, durant le podcast, durant un cours, ça se peut qu'on fasse « Ah, ça, c'est que pour les membres Patreon. » Parce que c'est comme ça. Et éventuellement, même que les versions vidéo vont être que pour les membres Patreon. Là, tu dis, hey, je vais avoir le droit à la vidéo, plus de stock. Mais voyons donc, tout ça pour combien gagne? 3 piastres! Puis une nuance importante, là, nous autres, des balados, on en sort 2 par mois. Mais là, c'est pas 3 $ le balado. C'est 3 piastres par mois. C'est donc 1,50 le balado. Hey, Mathieu, c'est quand la dernière fois que tu as acheté quelque chose de le fun à 1,50? Je pense que c'est dans un portique de Benny, genre une main de glu, genre que tu... Je pense que c'était ça. La dernière fois, j'ai dépensé 1,50. Écoute, c'était rentable. C'était rentable, je ne m'en rappelle point, Suzy. Ou ça se dit pas, c'est en Thaïlande, à un moment donné, dans une petite rue louche. Puis... OK! Alors, le Patreon est nommé, le podcast game, on en a parlé. Les réseaux sociaux sont faits. Hey, puis sur les réseaux sociaux, là, n'hésitez pas à nous partager aussi. Mettons là, qu'on partage un extrait du balado puis que c'est full bon, genre Guillaume Dulude qui mange une main de singe. C'est impressionnant, ça. Tu devrais le partager à tes amis. On aurait plus de reach grâce à toi et on serait éternellement reconnaissants. Et là, le monde qui font « Hey, voyons donc, vous êtes gossac avec votre 3 $ qu'est-ce que ça donne? Vous voulez devenir riche? » Écoute, on a 127 abonnés Patreon. Juste te dire que ça paye même pas encore toute la console, les petits blonds. On n'est pas là pour faire du cash. On fait ça parce qu'on aime ça puis on n'a juste pas envie que ça nous coûte trop d'argent
vous faire plaisir puis s'amuser avec... Ben moi, avec si j'ai le goût d'être riche, qu'est-ce que ça calisse? Je peux-tu être riche? T'as raison! Qu'est-ce que ça calisse? Non, mais... Tu vas être un Illuminati, c'est ça? Ouais. Bill Gates, tu vas t'acheter des enfants, si? Chris, informe-toi! Hashtag Lucie Laurier, man! Fais tes propres recherches! Fais tes propres recherches! Hey, habituellement, c'est là qu'après les actus, on partirait le premier oral. Mais quel temps qu'on est? On est en début juillet. Y a-t-il une date importante qu'on vient de passer? Je pense qu'on a passé par-dessus la fête de Mathias Janetsky. C'est-tu la fête de Mathias Janetsky? C'est la fête de Mathias Janetsky il y a deux semaines. C'était là deux semaines. Je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. Hein? Êtes-vous dans mon garage, hostie? Si j'ouvre la porte, vous êtes là. Non, c'est des green screens. On n'est pas vraiment... Eh bien, Mathieu, tu as pris le temps la dernière fois d'écrire une mini définition de moi. Ouais. Alors, dans ma vie effrénée, Mathieu, ma vie effrénée de fou, de papa qui travaille trop, j'ai pris le temps d'écrire, de le faire valider par Suzy. Elle a ri. Elle m'a confirmé. Écoute, il y a beaucoup d'inside là-dedans qui semblent être des inside parce que toi puis moi, on est rendu à 20 ans d'amitié et Suzy, elle n'a pas 20 ans d'amitié avec toi, mais même pas un an. Et puis, fait que c'est moi qui vais te le lire au complet. Okay. Et puis, les petits blonds. S'il y a des clarifications, est-ce qu'on peut les expliquer dans la retenue après? Oui, bonne idée. C'est une belle façon de teaser ça. Parfait. Mathieu Genet. Non propre, représentant un dude impulsif agressif, mais plein de compassion du genre « Hey, Robarge, on va les laminer là sur le mur de la brasserie » pour ensuite les rapporter deux jours après en s'excusant. L'attitude de Danny Ocean, mais l'empathie de Christian Bégin. Hey, c'était mal, Jonathan, ce qu'on a fait. Un papa respectable, ultra présent pour ses enfants. Enfants qui doivent ignorer que papa à 21 ans pouvait se clencher la longueur d'un tremplin de piscine en shooter. Et comme certains l'ont remarqué, je n'ai pas dit l'équivalent d'un tremplin, mais bien littéralement un tremplin de piscine de shooter dans la cour d'un gars de Repentigny. N'est-ce pas, Mathieu? Oui. Là, là. Un papa responsable qui a fait un blackout après le jour de l'an en 2006 chez un certain JF Potvin. Où moi et Simon Prévost, on a dû tenir notre ami Mathieu avec son Mohawk mou pour le sacrer dans un taxi avec son amoureux Jade. Car oui, les enfants, votre papa a mis ses parties génitales dans d'autres madames. Vous vous rappelez la poupée qui fait non, 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 non? Eh bien, Mathieu est pareil. Mathieu déteste tout. Mathieu est un gars de 38 ans en plein terrible tout. C'est pas mêlant quand tu lui parles de n'importe quoi? Il aime pas ça. Ah, mais là, toi, tu dis, je suis persuadé que Mathieu va aimer ça, parce que c'est l'histoire de tout, tout, tout. Je t'arrête tout de suite, mon ami, comparse. Ne gaspille pas ta salive. S'il n'y a pas de zombies, de super-héros ou de grosses boules, ouvre même pas la bouche et rebrousse ton chemin, va nu-pied. Vous savez, mesdames et messieurs, le gars désagréable au magasin de disques qui te donne l'impression qu'il a l'air de te snobber quand tu lui demandes un album de musique, ben c'est lui. C'est pas une impression. Mathieu Genet te juge et snob tout dégoût. Certains diront que le plus grand défaut de Mathieu est justement son intransigeance. Ce à quoi je répondrais, et Chris, non, c'est parce que t'as jamais vu son Matrix Bleu Poudre. Dans ton char? Meilleur char que j'ai jamais eu, OK? Je regrette ce char à tous les jours. Tantôt, j'ai dit Mathieu Genet est un nom propre représentant. Eh bien, j'ai jamais parlé de son char en disant le mot propre. Vous n'avez jamais vu autant de cossins traîner dans un char que ce style Matrix Bleu Poudre-là. Il y a plus de cossins qui traînent dans ces chars qu'il y en a chez un antiquaire. Des CD, du linge, un vinyle, hop, des gens qui vivent dans les décharges, ils savent même pas qu'ils sont dans un char. Hashtag dépotoir de Mumbai, Palace Rabier. Malgré son air de cul, ses chars sales, puis le fait qu'il snob les goûts des gens, Mathieu est le gars le plus talentueux. Et c'est grâce à lui que Contrat de gars, Fiston, Papa, le petit Robert non illustré étaient aussi drôles. En terminant, vous connaissez l'expression « poule de luxe ». Eh bien, Mathieu est un « punk de luxe ». Genre, j'ai un Ben Rock, je crache en chantant du punk garage en buvant du fort déguisé en vieille pute, mais hey, faut que je dorme au Best Western de Québec, sinon je pète une crise à mon band. Eh bien oui, Mathieu Genet est un genre de Sid Vicious avec une carte Costco.
Hey, bonne faire! Merci, merci. Hey, j'ai jamais exigé de dormir au Best Western après les shows. C'est comme... Attends. Attends, Mathieu Genet. Vous aviez fait un show dans le Vieux-Québec. Oui. C'est la fois que, tu sais, là, j'ai failli monter à l'hôpital parce que j'avais un blocage aux intestins. Tu t'inquiètes du jus de pruneau, est-ce que tu veux du jus de pruneau parce que il fallait que je monte à l'hôpital puis que votre drummer qui est infirmière venait me tâter le ventre par le cul dans la chambre d'un Best Western. Oui. Et je me rappelle que c'est moi qui vous avais donné un contact pour jouer à cette place-là. Mm-hmm. Parce que c'est un gars avec qui j'avais fait de la radio à Montréal, à CIBL, où j'avais une émission punk, puis vous avez booké là-bas. Puis il m'avait dit « Hey, si vous voulez... » Je connais une petite place qui vous coûtera pas cher où dormir. Puis quand je vous l'avais proposé au local, tu as dit non, on a trouvé, c'est bon. Puis quand je suis arrivé, c'était un fucking Best Western à genre 175$ la nuit. Ça avait coûté de l'argent descendre à Québec. Quand moi, c'était un des premiers shows que je vous bookais en disant hey, j'aimerais ça vous booker, man, je vous trouve bon. Puis Chris, je regardais les dépenses, puis je disais man, ça a coûté de l'argent aller jouer à Québec. Les Dorothées sont jamais fucking rentables. Non, jamais. Jamais les Dorothées peuvent être rentables. Jamais. Jamais. Là, il demandait, c'est comme, hey, je vais vous booker un show à telle place. Ah, moi, je revenais dormir chez nous, calice. Je dors pas là-bas, cette ville de crotté. Puis c'est tabarnak, Mathieu. Tout le monde va devoir revenir. Là, tout le band dit, mais non, mais on va revenir, si ça va coûter moins cher. Puis, c'est bon, on va revenir. Non, OK, je le prends. Ben oui. Est-ce que cet hommage est juste? Le dommage est pretty much on point. Oh. That's it. Tu sais, Mathieu, que j'ai essayé de ne pas trop te roaster, justement, mm-hmm. parce que tu es susceptible. Donc, je suis allé sur le bar. Oh non, hey, attends une minute, j'aurais pu écrire des affaires beaucoup plus trash que ça. Mais j'ai hâte que tu racontes l'anecdote du petit Mohawk Mou de toi chez GF Potvin. On racontera les volets, les cadres. Voler les cadres et tous ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le mauvais coup que j'ai fait à Mathieu Genet avec des cadres. Ouais. Et l'autre affaire. Le plongeon aussi? Le plongeon Le shooter? Tremplin. Le tremplin shooter. Hein? OK, all right. OK. Bon. Alors, tout le monde a son pupitre, s'il vous plaît. Les deux mains sur le bureau. Il n'y a pas de questions. Parfait. Alors, Mathieu Genet, la classe est à toi. Parfait. Alors, j'aimerais dédier cet oral à Larry et Mimi. Gars, c'est fin. Tu peux aller le petit gars. Le petit agressif, il est fin. C'est... Bon. Alors, mon oral, qui est spécial Saint-Jean-Baptiste, 3-4 semaines en retard, je vais vous parler de 2, 3, 4, 5 affaires québécoises d'ici à découvrir. Alors... Nice. C'est ça. Quand j'ai préparé ma chronique, c'était la Saint-Jean-Baptiste, puis je voulais trouver des trucs geeks un peu de chez nous. Alors, les voici. Alors, premièrement, je vais parler de Kona. Est-ce que vous savez ce que c'est? Numéro 1. Kona. Est-ce que vous savez c'est quoi Kona? Non, tout. Alors, Kona, c'est un jeu vidéo de 2017 développé par le studio Parabole, un studio de Québec. Le jeu se déroule en octobre 1970, alors que le détective privé Carl Faubert est envoyé pour enquêter dans un village au nord de Chibougamau suite à une série d'événements inexpliqués. On écoute un extrait de la bande-annonce. Carl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un homme. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil.
Le client paye, Carl exécute. On dirait bien que ça avait brassé là-dedans. Non, mais quelle voix, là! Alors, vous avez reconnu Guinadon, notre Guinadon national à la narration, qui vient donner une touche très, très québécoise à toute la patente. Mais ce n'est pas tout. Pour ajouter, le studio a confié la musique au groupe trad Curé Label. Et voici un extrait de la musique qu'on peut entendre tout le long du jeu. Donc, au début du jeu, notre personnage a un accident de char, puis il se réveille dans une tempête de neige pour trouver le village complètement déserté. On doit alors se promener de bâtiment en bâtiment à la recherche d'indices pour élucider le mystère, tout en tentant de limiter l'exposition de notre bonhomme au froid pour ne pas mourir d'hypothermie. Je dois vous avouer que je n'ai pas terminé le jeu parce que j'ai des enfants. Puis quand tu as des enfants, c'est plus tough de finir des jeux. Anyways, à 11 ans, c'est nice de dire que tu as fait le tour de la cassette de contrat, mais à 38 ans, c'est pas aussi prestigieux de braguer que de finir un jeu. Mais c'est sûr qu'un jour, je vais y retourner. À date, j'ai bien aimé ça et j'ai tué des loups. J'ai ridé un vieux skidou jaune pétant en fumant des smokes. Tout ça avec la voix de Guinadon. C'est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch. Il y a également une version VR pour le PlayStation 4. Si je ne me trompe pas, Mathieu, j'interviens dans ton oral. Oui, la version que moi j'ai sur mon PlayStation, elle est vraiment pas chère. Là. Non, c'est vraiment pas cher. C'est super abordable comme jeu. Là. Fait que si tu es capable de te payer des jeux à 90$, oui, ou de payer des bâtons licorne à Fortnite, tu es capable de mettre un 20-30$ sur un excellent jeu québécois. Absolument. C'est sûr qu'on n'est pas dans le jeu de studio AAA, là, ben non. Mettons un Assassin's Creed. Puis ça, faut le prendre en considération d'emblée. Mais ça reste un jeu qui est quand même très le fun. C'est vraiment très immersif. L'atmosphère est fun. Il y a les petits détails là, du Québec des années 70 qui sont là, comme les petites bouteilles de bière là, un peu rondes. Là, avec, puis justement, avec la musique trad, ça ajoute tellement. Alors, on va y aller avec le numéro 2. Numéro 2. Turbo Kid. Le film. Oh! Avez-vous vu Turbo Kid? Oui. J'ai vu la première demi-heure. OK. OK. Alors, en fait, ma portion de Turbo Kid va être divisée en trois parce qu'il y a trois aspects à couvrir là-dessus. Il y a le film Turbo Kid, il y a le collectif RKSS qui sont les trois personnes qui ont réalisé le film. Et il y a le Matos, le groupe de musique électronique qui a fait la musique. Okay. Alors, c'est un film de 2015 qui est réalisé par François Simard, Anouk Wissel et Johan Carl Wissel, également connu sous le nom du collectif RKSS. Le film raconte l'histoire du Kid, un jeune orphelin qui parcourt un monde post-apocalyptique sur son BMX et qui un jour fait la rencontre de Apple, une jolie androïde jouée par... Laurence Leboeuf. Après que celle-ci se soit fait kidnapper par un méchant appelé Zeus, qui est joué par Michael Ironside, qui est aussi le méchant dans Total Recall, c'est quand même très cool, le Kid fait la découverte d'un vaisseau abandonné où il trouve un genre de Power Glove de Nintendo qui pitche des rayons qui font exploser le monde. Mais crissement explosé, là, c'est très gore. En s'inspirant de son super-héros préféré, le Turbo Rider, le Kid décide de devenir Turbo Kid pour aller sauver sa cocotte avec l'aide d'un cowboy avec un bras de robot. En fait, Turbo Kid, c'est le mariage improbable, quoique fucking parfait, entre Mad Max, Sam Raimi, les contes pour tous de Rod Demers et l'esthétique des films directs en cassette des années 80. Turbo Kid, c'est le premier long métrage du collectif RKSS qui ont ensuite fait Summer of 84 qui en ce moment travaillerait à une suite de Turbo Kid. Le film a été tourné à Montréal et Thetford Mines avec un budget de combien vous estimez ça, ce budget-là? J'irais avec un million. Ah ouais, moi aussi. J'ai juste copié la réponse. 60 000 $. Ah, si, bois, OK, 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 OK. Wow. 60 000. Hein? Mais comment on peut se payer une vedette de Total Recall? Je n'ai absolument aucune idée,
Mais 60 000, écoutez, pourquoi on n'en a pas plus de ça? C'est une coproduction avec la Nouvelle-Zélande, mais en tout cas, on écoute la bande-annonce, je pense, ça vaut la peine. OK. Qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est un comics. Ça parle de quoi? Ça parle de Turbo Rider. C'est génial! Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait là-bas. C'est un peu poussiéreux et gris. Je pourrais te montrer si tu veux. Ici, nous faisons les choses avec un peu plus de joie de vie. Où est-elle? Relâchez la fille! Ça va saigner. Comme vous le savez, la situation est critique. Le nombre de victimes maximum a été atteint. Et tu es censé être qui exactement? Turbo Rider. C'est la fin, soldat. Il nous faut frapper ces satanées machines avec tout ce que nous avons. Trouve-les, tue-les et rapporte-moi leur tête sur des pics. Je vais retrouver une vieille connaissance. On va directement chez Zeus. Alors le kid. Allons-y. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué la musique très synthé, mais oui. Toute la musique du film a été faite par le groupe Le Matos. Moi, personnellement, comme je déteste tout, je suis pas nécessairement un grand fan de musique électronique, mais de la pop synthé dans un film, ça vient me chercher. T'sais, on a qu'à penser à la musique de John Carpenter dans les Halloween. Donc, dans Turbo Kid, Le Matos n'a absolument rien à envier à John Carpenter. Ça fonctionne vraiment, même que Le Matos ont signé la musique du deuxième long-métrage de RKSS qui est intitulé Summer of 84, comme je l'ai dit tantôt. Et on écoute un extrait. Stranger Things comme oui, vibe également. Oui, c'est ça. En fait, Stranger Things aussi, la musique est très, très inspirée de la musique. 80 synthé. Oui, de John Carpenter surtout. Là. Si on veut écouter... C'est sa force. C'est vraiment ce genre de truc-là. Et Summer, mais tu veux... J'interromps parce que faire du chemin à la défense de Turbo Kid, il est sorti en 2015. Oui. Quand les gars ont composé ce film-là, ils étaient très avant-gardistes avec leur musique. Parce que Stranger Things est arrivé après, puis aujourd'hui, tout le monde met du synthé. C'est vrai qu'il y en a affaires. Ouais, c'est vrai. Depuis deux ans, là, 2015, tout le monde... c'est vrai que c'est... C'était dans les premiers à le faire. Faut leur donner, là. Puis tu sais, c'est pas grave. C'est dans l'air du temps, en fait. Ouais. Tu sais, que quelqu'un l'ait fait avant. Tu sais, on est... Les gens qui font des films en ce moment sont les gens de notre âge. Oui. C'est ceux qui ont grandi avec les cassettes vidéo. C'est ceux qui ont été au club vidéo. C'est des geeks de VHS. Tu sais, c'est normal qu'on commence à retrouver ça. Puis moi, J'en veux. C'est donnez-moi-en, ça me dérange. Ouais. Donc, on voit que la musique est un peu glauque. Ça rappelle un peu, comme je disais, John Carpenter ou Mike Oldfield avec la pièce Tubular Bells qui avait été utilisée dans L'Exorciste. Ah, ben oui, c'est vrai, ben oui. Ouais. Alors, Summer of 84, c'est l'histoire d'une bande d'adolescents adeptes de théorie du complot qui, comme le dit le titre, à l'été 84, suite à une série de disparitions de jeunes garçons, se mettent à soupçonner leurs voisins policiers d'être responsables. Encore là, le collectif RKSS nous offre un film qui est enraciné dans la nostalgie en nous rappelant des films comme Stand By Me, Vampire, oh, vous avez dit Vampire, ou un peu Rear Window d'Alfred Hitchcock même. Wow. Donc, c'était mon petit exposé sur quelques trucs québécois à consommer si on veut être geek qui consomme local. Et avant de terminer mon oral, j'ai quelques petites suggestions éclairs que je vais vous faire. Nice. Qui sont pas nécessairement québécoises, en fait, qui sont pas du tout québécoises, que j'ai vu qui étaient disponibles à regarder ces temps-ci. Donc, suggestion numéro un, il y a la série Horror Noir sur la plateforme Shudder, qui est une espèce de Netflix exclusivement d'horreur, qui vaut vraiment beaucoup la peine en passant. Tu as dit horreur noire avec beaucoup d'accent, c'est ce que tu as dit? C'est Horror Noir, A History of Black Horror. C'est juste disponible en anglais. Donc, c'est une série documentaire où on retrace la part et l'importance de la communauté noire au genre de l'horreur depuis les débuts du genre. De Blackula à Get Out, en passant par Candyman et Ganja and Hess. Tout est là. Puis ce qui est cool sur Shudder, c'est qu'il y a pas mal de films qui sont mentionnés dans la série documentaire qui sont disponibles aussi à streamer.
Deuxième suggestion est claire, Cursed Films, qui est encore une fois sur Shudder. C'est une série documentaire sur les légendes entourant les supposées malédictions attribuées à certains films. Ah, oui. Par exemple, la célèbre malédiction de Poltergeist, qui, selon la croyance, se serait abattue sur les acteurs du film parce qu'on aurait employé de véritables squelettes lors du tournage. Ou encore, ouais, il y a plein de gens qui sont morts. Oui, c'est vraiment trash. Plein, c'est pas tant, c'est deux. Ah, pour vrai? Ouais, c'est deux? Ah, je pensais que c'était genre 5-6. Puis je vendrais pas rien parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment intéressant, cette série. Merci, aussi, Matt. La malédiction ancestrale chinoise qui aurait frappé l'acteur Brandon Lee lors du tournage de The Crow. Le corbeau. Oui. Et finalement, ma dernière suggestion est claire. C'est le retour de Unsolved Mysteries, dossier mystère sur Netflix. C'est sorti hier. Nous, on est le 2 juillet. C'est sorti le 1er juillet. J'ai regardé le premier épisode hier. Ça fait vraiment la job. La musique crisse toujours autant la chienne. Seul bémol, c'est que je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas d'animateur en trench coat de détective comme il y avait quand j'étais petit. Mathieu, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'était ça mon ouverture de mon oral. Ouais. Vous vous m'avez envoyé la bande-annonce, les deux. Ouais. Ah oui, je vous ai tagué. J'ai vu passer ça, je vous ai tagué. J'étais là, bon, les gars. Et tu sais, Matt, que moi, dernièrement, je me suis clenché environ 100-150 émissions de la première édition. Tu sais, je t'avais dit, je l'ai trouvé sur YouTube, sur la chaîne. Sur Prime, toutes les saisons de la vieille série sont disponibles. Et je me disais tout clan, tout, mais j'en ai vu, mettons, 150. Mettons, pour faire un chiffre sans exagérer, 150 dans la dernière année. Ouais. Et là, j'étais donc content. J'en ai écouté trois. Du nouveau qui est sorti hier soir. Oui. J'en ai écouté trois en me levant très, très tôt ce matin parce que je voulais justement les regarder parce que j'avais hâte. J'avais hâte. Si tu veux en parler plus tard, on peut le garder pour plus tard. Là. C'est le fun que tu dises ça parce que c'est sûr qu'on a les mêmes critiques, toi et moi. C'est sûr à 100%. Jusqu'à date, la musique fout la chienne. Deux, je suis extrêmement déçu qu'il n'y ait pas d'animateur. La seule apparition qu'on voit, c'est une fois que tu vois le titre, tu vois l'ancien animateur en dessin background. Un petit clin d'œil. Robert Stack, ouais. J'ai adoré les histoires qui ont été choisies. Il faut leur donner son fucking freak out. Nice. Mais dans le storytelling, il y a quelque chose dans le rythme. Avant, ils en faisaient trois par heure. Là, ils ont vraiment voulu creuser. Puis des fois, je trouve qu'ils sont allés trop creux pour rien. Ils sont vraiment allés dans le « making a murderer ». Ils sont vraiment allés dans cette espèce de ton-là. Ouais. Moi, je donne 3 étoiles sur 5. Puis je vais quand même m'éclencher les autres. Pendant que je vous parle, Léa est en bas pour faire du rattrapage et elle s'enclenche 3 pendant que je fais le podcast pour qu'on puisse regarder des nouveaux ensemble. Parce qu'on s'est clenché des « Unsolved Mysteries » de l'autre. Mais je trouve que ça devrait même pas s'appeler Unsolved Mysteries, à part la toune du début. Ouais. En rien, c'est Unsolved Mysteries. Mais tu sais, peut-être qu'un animateur en trench coat aurait un peu enlevé, je pense, au drame humain derrière certains mystères, tu sais. OK. Mais ça le faisait avant. Tu sais, je pense que ça prend une narration. Là, tu montres un livre et c'est comme là, si je suis ton doigt avec les mots. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mettons, tu me fais lire un livre. Moi, ce que je veux, c'est que tu me le lises. Tu comprends? Ouais. Je veux la voix de ce gars-là que le nom m'échappe. Chester. Tu parles de Robert Stack? Robert Stack, c'est ça. Ouais. Ou Jean Coutu dans la version québécoise de l'époque. Ouais, pour vrai, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai, t'as raison. Ouais. J'ai besoin d'une voix, moi, dans ce type de truc-là, pour me guider dans le mystère. Mais sais-tu quoi, je vais tout m'éclencher pareil parce que c'est pour moi que c'est fait, puis je suis leur public cible, puis je vais le faire. Mais moi, la musique, là. Je trouve que encore aujourd'hui, ça me crisse plus la chienne que le bonhomme 7 heures, Marie-Blanche, puis les bouts de passe-partout weird avec un polichinelle bizarre sur un fond noir. Hey, tout ça est épeurant beaucoup, là. Je pense qu'on devrait se mettre un petit bout de musique de Unsolved Mysteries. Je connais ça. Je me sens pas bien. J'ai le goût d'appeler mes parents. Je me sens pas bien. Amène-moi un verre d'eau, man. Moi, un moment donné, là, quand j'étais petit, chez nous, on écoutait que la télé en anglais parce que ma mère est anglophone. Et puis, on écoutait la télé en anglais et j'ai grandi en regardant Unsolved Mysteries puis 911, qui étaient tous des avec William Shatner. Ouais. Et à un moment donné,
mon père s'est endormi sur le divan et ma mère était partie jouer au bingo. Mm-hmm. Fait que moi, c'est mon heure. Je mets mon émission Unsolved Mysteries parce que j'en profite pour veiller parce que mon père dort sur le divan. Et à un moment donné, mon père se lève en sursaut. « Ah, oh, shit, faut que j'aille chercher ta mère au bingo. T'es correct de rester ici tout seul, là? Tes frères, ils dorment. » Je suis genre en cinquième année. Puis je suis « Oui, là, tout le monde dort dans la maison, vas-y. » Je suis tout seul dans un sous-sol noir. Ah non, non, non. Avec une doudou. Puis mon père, c'était un des premiers à avoir acheté, tu sais, les crises de grosses télé. Oui. Alors, tout le monde qui avait chez vous disait « Ben voyons là, ben gros, ça, Daniel! » Tu vois cette époque-là avec un cinéma maison. Mon père était le genre de gars qui tapait du pied en levant le son du cinéma maison. « Ah! Ça le fait, hein? Oh, oui. C'est bon, hein? Écoute le son de l'épée quand il sort ça de son étui. Écoute! » C'était quoi son film démo, là? Tu sais, il y avait tout un film, là, genre, qui était comme plus si hot. N'importe quoi qu'il y avait du gun qui se tirait. Okay. Mais je t'avouerais que Speed, il me semble que c'est souvent ça que mon père montrait. Et quand il y avait des guns qui se tiraient, il disait, gars, les balles, c'est à gauche, à droite, gars, on les entend, là. C'est pas en même place. Et je me rappelle qu'une année, c'était La Momie. Mon père a toujours été un fan de cinéma maison. Écoute le son de l'épée qui sort de l'étui. Vous êtes toujours le même bout. Ping! Puis t'es là avec ses yeux fermés. Ping! Hein? Hein? Ça crache! Fait que bref. L'image est tellement bonne, c'est impeccable. Je suis tout seul dans le sous-sol noir. Je lève le son du cinéma maison et là, cette toune-là part, mon gars. Pum, pum! Elle repartait là, le petit blond. La toune, elle joue dans le tapis. Et là, moi, je suis comme, oh yeah, mon émission commence. Et là, man, je me mets à avoir la chienne, mon gars. La première histoire. C'est une histoire de fantôme, d'un couple qui s'est planté en char et que là, la femme recherche son mari. Et là, c'est un fantôme que tout plein de jeunes voient quand ils roulent la nuit sur cette route-là. Il y a des reconstitutions, puis la reconstitution du tachet, c'est juste une fille qui court, qui se retournait, puis qui regardait direct dans l'entier, puis était habillée tout en blanc avec ta face blanche. Je me demande, c'est la pire restie d'histoire freak du monde qu'un petit gars de 10 ans peut écouter avec cette crise de toune-là. Et ça fait partie de cette période-là de ma vie que je suis devenu accro à tout ce qui est weird. Ouais. La question que tout le monde me pose depuis que je fais le podcast, et il y en a plein qui me la posent, c'est « Est-ce que tu crois à ces histoires-là? » Puis je dis tant. « Hey, pas tant en plus. Je veux y croire, c'est différent. » Tu sais, c'est plus, ça me divertit. Puis quand toi, tu vas au théâtre, tu sais très bien qu'il n'y a pas en ce moment un gars du 18e siècle en train de demander en mariage cette princesse. Donc, tu sais, je sais très bien que le trois quarts des histoires ne sont pas vraies, mais ça me fascine. De savoir que peut-être, tu sais, c'est le fun. De savoir que peut-être, bien dit, exactement. Yeah! Alors là, c'est l'oral de... Ouais, je suis sur ma feuille. C'est toi, ça. C'est toi, Robert. Je pense qu'on va recommencer dans la musique weird, hein? Ah ouais, les petits blonds. Là, je tiens à le dire, il y a un avertissement qui va avec mon truc. Vous êtes des parents. Vous êtes sensibles dans la vie. Oui. La prochaine... Non, mais tu sais, si t'es un parent qui écoute ça sur la route en ce moment avec des enfants dans l'auto, je te le dis, c'est pas le genre d'affaire qui s'écoute avec des enfants. Tu l'écouteras plus tard. Okay. Si t'es du genre à l'écouter et à pleurer parce que t'es trop sensible puis que là, ça va t'empêcher de dormir, de penser à des enfants disparus puis ce qui pourrait arriver à tes enfants, n'écoute pas la prochaine histoire. Elle est dégueulasse. Mais reviens pour mon oral après, c'est super bon. Oui. Vas-y, Mathieu. Mais là, tu vas, tu sais, il y a une série sur Netflix à ce moment, tu vas-tu vendre des punchs? Je raconte l'histoire de Maddie McCann. Okay. De toute manière, juste te dire que si dans la vie, tu googles Maddie McCann, tu vas voir que depuis le documentaire Netflix, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, on avertit peut-être les auditeurs que... Oui, ça spoil la série, c'est sûr, parce que je raconte l'histoire de Maddie. Fait que... Parfait. Et ça, c'est 3 jours restés à lire tout ce qui s'est fait pour essayer de monter une histoire, en plus de regarder ce documentaire-là sur... sur Netflix. Puis même malgré le fait que je vous raconte ça, moi, j'ai pris comme la colonne que j'appelle, tu sais, dans la vie. Mathieu, je dis tout le temps ça, ça va être une colonne, puis autour, il y a de la viande. Mm-hmm. Oui. Là, j'ai la colonne vertébrale, puis tous les muscles autour, bien, il y a plein d'histoires que je raconte pas qui sont en lien avec Maddie, que vous pouvez aller regarder dans le documentaire. Alors, les garçons, les petits blonds, je vous demanderai de mettre ma trame sonore de musique beaucoup trop free qui donne envie de manger un pot de pilule. Précisément. La mystérieuse disparition de Maddie McCann. Parmi les enquêtes criminelles non élucidées des dernières années, celle portant sur la disparition de Maddie McCann tient une place particulière dans la mémoire collective. Cette histoire sordide qui en est rendue maintenant à 13 ans de mystère n'a toujours pas trouvé de dénouement. Mise en contexte. En mai 2007, la famille de Madeleine McCann séjourne avec des amis dans un complexe hôtelier de la station balnéaire de Praia del Luz dans l'Algarve au sud du Portugal. Madeleine,
ou Maddie, comme elle a été surnommée par la suite par les journaux des quatre coins du monde, était une petite Britannique souriante, blonde, qui allait avoir 4 ans dans les jours qui suivaient. Le soir du 3 mai, une fois tous les enfants couchés dans leurs chambres respectives, les parents font comme ils ont fait toute la semaine, ils vont manger au restaurant de tapas du resort où ils ont réservé. Là, je vous entends déjà dire, voir qu'ils laissaient leur enfant tout seul dans la chambre. Il était une gang d'amis, un gros groupe de parents avec plein d'enfants. Puis, c'est pas la chose la plus brillante, mais ce qui est important de savoir, c'est que les parents étaient tous assis environ 100 mètres des chambres. Ils avaient directement dans le champ de vision chacun des appartements. Et aussi, à toutes les 20 minutes, un des parents autour de la table faisait une ronde des chambres une fois les enfants couchés. Fait qu'il y avait une vue sur tous leurs appartements loués. Ils étaient juste à côté, puis ils s'étaient choisi une table précise pour pouvoir justement avoir les appartements directement devant eux. Ce soir-là, lors de sa première ronde, Gerard Patrick McCann, le papa de Maddie, est le premier à se lever vers 20 heures. Il effectue sa ronde. Il voit la petite Maddie dormir et aussi ses deux autres jumeaux juste à côté. Tout est paisible. Il referme la porte doucement et retourne à son souper. Un peu plus tard, un autre papa se lève et effectue la ronde de surveillance. Il arrive sur le bord de la porte des McCann et remarque que la porte est entrouverte et que la lumière d'un lampadaire semble drôlement éclairer la pièce. Il tend l'oreille. Il entend les enfants respirer et dormir. Il ne fait pas de cas de la lumière parce que ce n'est pas ses enfants. Puis il se dit, peut-être qu'ils dorment avec les volets ouverts. Puis il n'ose pas ouvrir la porte pour réveiller les plus jeunes qui sont deux bébés jumeaux. Il repart terminer son repas et prendre un verre de vin avec les autres parents. 20 minutes plus tard, c'est au tour de la mère de Maddie, Kate, d'aller voir. Elle arrive à leur appartement, se rend vers la chambre des enfants. La porte est entrouverte. Elle y voit la lumière et elle se dit que quelque chose cloche. Et au moment d'ouvrir la porte, elle sent que la porte est comme, c'est plus léger, comme si quelqu'un avait laissé un courant d'air. Comme, tu sais, quand la porte est, tu sais, quand vous ouvrez une porte et puis que la fenêtre est ouverte, c'est pas le même poids. Est-ce qu'à ce moment-là, elle a eu comme un mauvais pressentiment de comment ça, c'est la fenêtre est ouverte, pourquoi il y a autant de lumière? Eh bien, de l'autre côté, sous la fenêtre grande ouverte, le lit de sa plus vieille est bien éclairé par le lampadaire extérieur, les volets sont grands ouverts et le lit est vide. Plus de Maddie. Tout ce qui reste, c'est sa peluche. Elle hurle, elle regarde par la fenêtre, personne. Elle court à l'extérieur et crie à plein poumon. Elle crie « Quelqu'un kidnappé Maddie ». Sans hésiter, tous les hommes et femmes partent dans les rues de la ville. Tous les adultes du tout inclus sont impliqués. C'est avec des lampes de poche qu'ils ratissent tous les buissons, les fossés, la plage et même que certains se jettent à l'eau, à la mer, pour essayer de trouver son corps. Il est maintenant 22 heures et la police n'est toujours pas arrivée malgré l'appel passé 45 minutes plus tôt. Ce sont des parents et des gens du village qui s'entraident pour tenter de retrouver la petite. C'est connu, les premières minutes, voire les premières heures, sont primordiales dans une disparition, surtout pour un enfant. Finalement, une seule voiture de patrouille débarque au début et les policiers disent que c'est sûrement une fugue ou qu'elle s'est perdue. Les parents leur répètent qu'elle n'a que 3 ans, que c'est impossible. Ils prennent leur déposition, laissant les parents dans leur malheur. Malheureusement, des semaines ont passé. La police ne trouve rien. Malgré des témoignages assez troublants ce soir-là, la police n'enquête pas. Exemple, on a su quelques années plus tard seulement qu'un couple qui a été aperçu par un restaurateur qui allait ouvrir son resto très tôt. L'homme roulait à bord de sa voiture à 4 heures du matin, lorsqu'à quelques kilomètres de la marina, un couple surgit devant sa voiture en train de courir avec un enfant enroulé dans un drap. Mais voyons donc. Ce n'est que quelques heures plus tard, lorsqu'il a su qu'un enfant avait été kidnappé durant la nuit, qu'il a fait le lien, il a contacté la police, ils ont pris sa déposition, puis ils ne sont jamais revenus. Mais impossible! Les policiers ont pris des jours avant de déclarer, que la petite McCann était disparue, parce qu'ils croyaient à... Un enfant est parti et s'est perdu. Il est important de préciser que la petite Madeleine a disparu dans la ville de Praia del Luz, qui est seulement, vous êtes prêts, à 1h20 de la frontière espagnole, à moins de 3 heures de bateau du continent africain, à 2h45 de voiture de Lisbonne, capitale du Portugal, à 2h40 de Séville en Espagne, 7 heures de voiture seulement de Madrid, ville de 6,6 millions d'habitants, et à 7 heures seulement de voiture de Tanger au Maroc. Oui. Les pistes partaient tout bord, tout côté. Les enquêteurs, ne sachant pas où donner de la tête après des mois d'enquête dirigés par Gonzalo Amaral,
décide de mettre à la tête de leur liste de suspects, malgré aucune preuve, les parents de Maddie. Ben voyons donc. Oui. Un couple de catholiques, pratiquants, médecins, qui ont eu recours à in vitro pour pouvoir avoir leurs enfants, sont maintenant les suspects numéro un. Ils sont suivis partout par la presse, par les paparazzis, malgré le fait qu'ils sont restés au Portugal pour essayer de retrouver leur enfant et mettre de la pression sur la police et sur les enquêteurs pour avoir des informations. Eh bien, là, ils sont rendus comme Lady Diana. Tout le monde leur court après. Tout le monde prend des photos. Ça en est ridicule. Ils ne peuvent même pas aller prier à l'église sans qu'il y ait une meute de centaines de journalistes qui, clic, 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 les prennent en photo. Il ne manquait pas d'alibi à leur histoire, là? Ça s'en vient. Ah, ah, ah. Une pesante suspicion sur les parents. Ils sont même mis brièvement en examen, sans chef d'accusation précis, alors que plusieurs hypothèses sont esquissées. Maddie a pu mourir accidentellement et ses parents auraient tenté de le cacher. Ou alors sa mère l'aurait drogué à mort. Les enquêteurs ont aussi trouvé du sang dans l'appartement et dans la voiture de location utilisée par Kate. Seul problème, c'est que le sang qu'ils ont trouvé dans la voiture, c'était une voiture louée 25 jours après la disparition. Ah, et en passant, ça n'a pas été fait par des tests très, très, très poussés. C'est-à-dire que le Portugal a glandé, a branlé dans le manche. Donc, à un moment donné, c'est la police britannique, c'est les enquêteurs britanniques qui ont décidé de prendre l'enquête. Ils sont débarqués là-bas avec des chiens et les chiens se sont mis à japper pour dire qu'il y avait du sang. Ils ont pris des échantillons dans la voiture. Il a jappé derrière un divan en disant qu'il y avait eu du sang là et un cadavre. Ils ont pris des échantillons. Ils sont revenus. Ils ont fait un rapport. La police scientifique anglaise de le labo avait précisé dans leur rapport qu'il y avait des traces, et à mettre entre guillemets, d'ADN de la petite Maddie et que c'était normal de retrouver des parties de l'ADN de Maddie à ces endroits, car elle avait été conçue par les deux personnes qui habitaient à ces endroits-là ou qui utilisaient la voiture. Donc, normal que dans une voiture, tu trouves la génétique d'un enfant alors que ses parents utilisent, parce qu'elle est conçue de l'ADN de ses deux parents. Donc, le médecin légiste a dit, ça donne rien d'accuser les parents parce qu'ils portent la même ADN. Donc, vos preuves ne sont pas bonnes. Mais le gouvernement portugais et le gouvernement de la Grande-Bretagne se sont mis à s'accuser l'un l'autre d'amateurs, de prétentieux pour l'autre. Ils ont essayé de se ridiculiser publiquement et pendant ce temps-là, une partie de la population avait eu de la désinformation et le couple vivait un calvaire en étant pointé du doigt comme principal coupable. Mais tout le monde semblait oublier le plus important. L'enquêteur Gonzalo Amaral a été mis, avec raison, à la porte, mais pendant ces précieuses semaines, personne ne mettait d'effort à chercher la petite Maddie. Ce qui est arrivé, c'est que elle semblait avoir perdu le contrôle de l'enquête. Ils ont décidé d'accuser les parents. Ils ont mal traduit, aussi stupide que ça peut paraître. Le rapport est en anglais. Les enquêteurs portugais ont demandé à un de leurs chums dans le bureau, « Peux-tu traduire ça? » Et il a mal traduit le document qui disait qu'il y avait des traces d'ADN des parents. Donc, il s'est retourné et a dit, « Go, on peut émettre un mandat pour les mettre suspect numéro un. » Ça dit que de l'ADN des parents, de Maddie, coordonne avec ça. Il a mal lu et pendant 3 semaines, une erreur de traduction a fait en sorte que tout le Portugal au complet pointait les parents du doigt. Mais non! Les parents ont décidé de fuir. Leur mise en examen laissera néanmoins des traces. La mère de Maddie peine encore aujourd'hui, en 2020, à se débarrasser du sceau de soupçon dans l'opinion publique britannique et portugaise. Le principal accusateur est l'inspecteur portugais Gonzalo Amaral qui a été renvoyé. Puis au lieu de juste fermer sa gueule puis passer à autre chose, il soutient la thèse de la mort accidentelle maquillée en disparition. Il a continué d'induire la culpabilité parentale, d'induire les gens il a continué d'induire les gens en erreur, en continuant de pointer du doigt les parents, en écrivant un livre à succès disant qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il sait. Mais non, voyons donc. Tous ses partenaires ont fait, il dit n'importe quoi, il veut juste pas perdre la face parce qu'il est à la face, il est à la tête de l'enquête. C'est une erreur de traduction et le gars a fait des millions de dollars en vendant un fucking livre partout en Europe. Voyant que ça glande de tout bord, de tout côté, un jour, un riche homme d'affaires britannique décide qu'il en a assez, puis décide d'aller aider les mécanes. Le gars, c'est l'inventeur des doubles fenêtres. Aussi banal que ça, le gars, il est multimillionnaire. Il habite en Grande-Bretagne. Il voit que les parents ont fui le Portugal alors qu'il était suspect numéro un, puis qu'ils viennent s'établir en Grande-Bretagne, mais qu'ils reviennent en Grande-Bretagne avec leurs deux autres enfants. Il décide de les contacter, puis il leur a dit, « Je vous fournis l'argent que vous voulez. Je suis un père de famille. » Je suis multimillionnaire. Le gars est propriétaire d'un club de soccer.
Il a dit, voilà mon jet privé, faites le tour du monde, faites les enquêtes que vous voulez, voilà de l'argent et engagez des détectives privés. Le couple se mobilise pour que leur fillette ne tombe pas dans l'oubli en apparaissant régulièrement à la télévision et en lançant un site Internet. Ils engagent aussi des détectives privés de la respectable compagnie Méthodo 3 avec l'aide financière de leurs donateurs. Là, c'est là que ça devient fucked up. Le détective Julian Peribanes retourne passer 8 mois au Portugal à travailler 7 jours/semaine pour tenter de trouver une piste. Il se rend même jusqu'à infiltrer des groupes de pédophiles sur le dark web. Il dit lui-même qu'il a dû côtoyer des monstres au quotidien et jouer le monstre pour mettre la main sur des infos. Des images qui l'ont brisé pour le restant de ses jours. Voyant que l'enquête n'avance pas trop rapidement, le propriétaire de la boîte Méthodo 3, qui est patron de Julian, décide d'aller dire publiquement dans une entrevue télévisée qu'il est à quelques jours de trouver la petite Maddie, ce qui choque son enquêteur qui est sur le terrain, qui lui fait un genre de « fuck you » à son patron. « Ça fait 8 mois que je fais des efforts, puis tu es en train de tout chier mon enquête, parce que là, il y a peut-être des gens qui ne savaient pas que j'étais en train d'enquêter sur eux, que là, ils paniquent, puis que là, ils vont prendre la fuite. T'es bien capable d'avoir été dire ça publiquement. » Ce que son patron lui dira, Julian profite de l'exposure que je viens de donner. On va devenir multimillionnaire avec la disparition de cet enfant-là. Non, mais lâche chez nous avec l'argent. Là. Fait que ce que Julian est complètement découragé. Il a appelé les parents de la petite Maddie en disant « Je suis désolé, je me retire de l'enquête, puis vous devriez vous retirer de Méthodo 3. Le patron est là que pour l'argent. » Wow! Julian Peribanes, l'enquêteur, qui vient de passer 8 mois de calvaire à infiltrer des milieux pédophiles, se dit qu'il n'a pas tout à fait, il a pas tout fait ça en vain, c'est pas vrai. Même s'il ne retrouve pas la petite Maddie, il livre donc à Interpol le réseau qu'il a infiltré. Il rend donc possible, il rend disponible disques durs et clés USB remplies de preuves accablantes. Il fera tomber un des plus grands réseaux de pédophilie de trafic humain en Europe. Hey boy. Il participera à la découverte de 98 enfants disparus avec ses disques durs, mais toujours pas la petite Maddie. Autre fait étrange. Très tard dans la nuit de la disparition, ou très tôt le matin vers 4h50, donc près de 7h, faites le calcul avec les distances que je vous ai données tout à l'heure, après la disparition à Madrid, dans une petite rue, une femme proche s'approche de deux hommes, dont l'un des deux est blond, qui a une peau avec des cicatrices, comme quelqu'un qui aurait eu beaucoup d'acné dans sa jeunesse. Elle lui dit « c'est vous qui avez la fillette, ça me la prend tout de suite, où l'avez-vous mise? » Les deux hommes un peu sourds ricanent et comprennent pas trop. La femme semble extrêmement nerveuse. Elle regarde autour d'elle. Elle répète « Où est la fillette que je vous ai commandée? » Elle réalise que les hommes ne savent pas trop ce qu'elle veut dire. Elle fiche et elle se sauve. En 2011, la police britannique de Scotland Yard est l'une chargée d'élucider cette disparition avec, mesdames et messieurs, 37 enquêteurs. Temps plein. Elle se penche sur les 100 000 pages du dossier McCann, dont 4 000 pièces de procédure, et multiplie les appels à témoins et la diffusion de portraits robots. En 2012, l'inspecteur Andy Redwood clame avoir trouvé 195 nouvelles pistes dans cette affaire. Aucune piste n'a suivi ni abouti. La théorie la plus plausible pour l'instant serait le trafic humain pour des pédophiles riches en Europe. L'hypothèse de cette disparition soit liée au réseau de pédophilie qui a plusieurs fois été esquissé. Des témoins ont assuré avoir vu des personnes qui photographiaient les enfants près de l'hôtel le 2 mai, qui est la veille de sa disparition dans son lit, mais ils ne seront jamais retrouvés. L'homme décrit par les dames qu'ils ont aperçu sur la plage aurait la peau abîmée, crevassée et les cheveux châtain blonds. Pareil comme le Britannique qui est en vacances en Madrid et qui s'est fait demander « Hey, c'est-tu toi qui as la fille? » Puis ouais. Non. Et c'est la police après qui a fait le lien. À ta minute, le gars a la même description que ce que les dames nous ont dit qu'ils avaient vu sur le bord de la garderie du resort. La veille, il y avait un homme blond. Fait que c'est une des pistes qui a été prise pour faire un portrait robot. Et là, en 2020, après des années de surplace, il y a quelques jours seulement, bam! Vous êtes chanceux parce que si j'avais fait cette histoire-là comme dans le premier épisode, on n'aurait pas ces informations-là aujourd'hui. Une nouvelle piste maintenant en Allemagne. Énième rebondissement, mi-juin 2020, dans un communiqué, la police fédérale allemande a annoncé que l'un de ses ressortissants,
un homme de 43 ans, actuellement incarcéré pour une longue peine, est désormais suspecté de la disparition de Maddie McGann. Le parquet de Brunswick a annoncé avoir ouvert une enquête pour meurtre et non pour enlèvement ou disparition. Comme c'était le cas dans les investigations jusqu'ici, nous supposons que la fillette est morte, a déclaré le porte-parole allemand ce jeudi dernier. Le suspect allemand, dont l'identité n'a pas fuité, est un délinquant sexuel, déjà condamné à plusieurs reprises, qui s'en est notamment pris à des enfants, annoncent les enquêteurs qui ont travaillé avec la police britannique et portugaise sur cette piste. Ce suspect a régulièrement travaillé en Algarve, au Portugal, entre 1995 et 2007, et la police allemande avance qu'il commettait aussi des délits, notamment des cambriolages, dans des complexes hôteliers et des appartements de vacances. Plusieurs fois accusé de pédophilie, cet homme se trouvait, d'après les registres de son téléphone, exactement dans la zone de l'appartement des McCann cette soirée-là. Mais voyons donc! Et le dude a les cheveux blonds, la peau crevassée, et il aurait passé un appel, c'est comme ça qu'ils l'ont retracé avec son appel, un appel de 19h32 à 20h02. Il a parlé pendant 20 minutes à on ne sait pas qui, et les parents McCann sont arrivés à 20h au restaurant. C'est tout comme si le gars surveillait, puis il a fait « OK les boys, l'appartement est libre, on s'est fait commander une petite blonde, faut aller la chercher ». Malheureusement, les parents de la petite Maddie McCann, Madeleine, ont appris via les nouvelles la mauvaise nouvelle comme quoi leur fille était sûrement décédée. Ce à quoi les autres instances de la police allemande ont répondu, ils ont été avertis par lettre. Les parents disent n'avoir jamais reçu de lettre et ont appris le décès de leur fille par médias interposés. Ils ont écrit une note, et je cite, ça a été écrit il y a quelques jours, « Nous ne renoncerons jamais à l'espoir de retrouver Maddie vivante, mais quelle que soit l'issue, nous avons besoin de savoir car nous devons trouver la paix. » Et aujourd'hui même, à 17h, il y a d'autres preuves qui ont été amenées. Puis ils n'ont pas voulu dire c'est quoi, à part qu'ils peuvent confirmer le décès avec des images qu'ils auraient vues sur une clé USB. Oh non! Donc, est-ce que c'est le viol de l'enfant? Est-ce que c'est le meurtre de l'enfant? Est-ce que c'est le kidnapping de l'enfant? Bref, là, il y a plusieurs autres pistes qu'on n'est pas allé parce que j'ai juste 12 minutes pour faire l'oral. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que je savais que ça existait. Je sais que des gens kidnappent des enfants pour faire des choses atroces. Mais je ne savais pas que c'était aussi big que ça en Europe. Je ne savais pas que c'était aussi gros. Et c'est quand tu regardes un documentaire comme celui de Maddie, où à un moment donné, il délaisse l'histoire principale pour t'expliquer pourquoi ils ont des soupçons sur quelque chose d'autre, que des hommes d'affaires violent des enfants et s'en commandent. Mais ça fait des décennies là, que ça circule, là, ces espèces de rumeurs-là, comme quoi il y a des cercles de gens ouais. très puissants, pédophiles. Moi, j'ai vu un documentaire qui s'appelait « Who Took Johnny ?» qui était sur la disparition d'un garçon dans les années 80. C'est une des premières disparitions très, très médiatisées d'enfants. C'est à partir de ce moment-là, je crois, qu'ils ont commencé à mettre des faces d'enfants sur des les pains de lait. Oui, tu as raison. Justement, là, il y avait plusieurs pistes qui les menaient vers ça, là, vers des D'après ce que Julian, le détective de Méthode 3, dit dans le documentaire, c'est qu'il a découvert un autre monde inhumain sur le Dark Web où il y a des commandes d'enfants, où des gens cherchent une petite blonde de 3 ans puis on est prêt à te donner de temps. Puis que lui, il a joué le jeu de regarder des vidéos, de faire « Ah ouais, c'est nice, man, c'est ça que tu fais aux enfants, cool, je peux peut-être essayer de t'en avoir. » Et ce gars-là fait tomber un réseau complet. Et il a permis de découvrir l'histoire de 98 enfants disparus, des parents qui n'avaient pas de réponse, des parents qui ont retrouvé des enfants ou qu'ils n'ont pas retrouvé. Mais au moins, ils savaient, OK, mon enfant a été kidnappé, il est décédé. T'sais. Et non, il est encore en train de souffrir. Tu veux, à un moment donné, comme parent, mettre fin à cette histoire-là. Et le calvaire que les parents de Maddie McCann vivent en ce moment, c'est inhumain. Absolument. D'être au restaurant... à même pas 100 mètres de la chambre,
les portes fermées, les volets fermés, l'air climatisé qui fonctionne. Ils dorment et toi, tu manges tranquille au resto. Et une information que j'ai pas dit dans l'oral, les parents de Maddie McCann ont appris il y a quelques mois seulement, alors que les 37 détectives de la Scotland Yard essayaient de trouver la petite, ils sont arrivés et ils ont su que il y avait un registre de réservation du restaurant qui faisait mention que les McCann avaient réservé une table précisément à tous les soirs à telle heure. Mm-hmm. Parce que les parents avaient dit, nous, on veut venir manger ici de 20h à 21h. Mettons, là, je paraphrase. Il semble que c'est ça qu'ils ont dit. De 20h à 21h. Puis on veut être tous les parents ensemble. Donc, on veut cette table-là pour pouvoir surveiller nos chambres. Et habituellement, ils ne prennent aucune réservation. Mais comme il était 10 couples d'amis, genre, ou 8, le restaurant a fait OK. Mais ils ont laissé une note qui est dans un livre qui est à la vue de tout le monde sur le site. Fait que quand tu arrivais pour prendre ton nom, ça disait non, la famille McCann a réservé. Fait que c'était le nom des McCann qui était là pour. Ça disait carrément que leur appartement était libre avec les enfants parce que les enfants dorment dans leur chambre. C'était écrit à toutes les soirs. Fait que tout le monde qui arrivait voyait ça. Cette porte-là, là, cette porte d'hôtel, s'est faite ouvrir par quelqu'un aussi, là? La porte, c'est pas par la porte que ça se serait fait, c'est par la fenêtre. C'est vraiment la fenêtre, hein? Ouais. La fenêtre. Mais oui, des balcons de resort, on sait comment ça. OK, oui. Il était au premier étage. Oui. La personne avait à peine à lever les bras pour ouvrir la fenêtre, grimper, ouais, prendre l'enfant directement dans son lit qui était sous la fenêtre et se sauver en courant avec. C'est fucked up d'imaginer que tu vas manger pendant même pas une heure. Puis, juste une heure, là. Puis je vois la porte. Tu penses jamais que quelqu'un va ouvrir la fenêtre et les volets. Et le problème, c'est que... Ben, c'est pas un problème, c'est que j'ai trouvé ça aberrant. Les gens ont tapé sur les parents parce que lorsque c'est arrivé, tu sais, les 10 parents qui étaient avec eux ou les 15 parents qui étaient avec eux, tout le monde entrait dans la chambre. Tu sais, comme tout le monde est arrivé, ils ont checké en dessous du lit, ils ont checké, ils ont tassé les draps, fait que toute la scène a été contaminée. Fait que la police du Portugal, au lieu de juste faire « Ah, malheureusement, ils ont comme accusé les parents. « Ah ouais, vous trouvez pas ça louche qui est touché à tout le monde? » Le moment, il disait même qu'il y avait un pacte secret entre tous les 10 parents qui étaient, les 8 parents qui étaient là. Tu sais, puis comme si les 8 parents allaient tenir un secret aussi atroce ensemble et vendre un des enfants ou violer un des enfants ou tuer accidentellement un des enfants puis se dire « Faut jamais que personne... » Tu sais, c'est comme toutes les accusations qui ont été émises envers les parents sont d'une absurdité incroyable. Une erreur de jugement de la police. La police s'est pas pointée là avant 45 minutes. Envoie juste une autopatrouille. Décide d'attendre des jours avant de dire qu'elle est disparue. Et donc, c'est une fugue. Se baser sur... Je pense que ça a pris 4 heures, hein, la police, avant d'arriver. 45 minutes avant ah oui? 45 minutes avant d'arriver, puis genre 4 heures, je pense, 5 heures avant que des enquêteurs décident d'enquêter. Ouais. Puis comme je te dis, tu sais, à même pas une heure de là, il y a une marina avec des centaines de bateaux et des gens qui peuvent partir pour le Maroc ou partir pour l'Espagne ou partir, tu sais, c'est comme... Et comment tu peux ne pas suivre la piste d'un homme qui, le lendemain de la disparition d'une fillette, se pointe au poste de police en disant « Hey, je viens de voir qu'une petite fille a été kidnappée. Moi, cette nuit, à 4h50, je m'en allais à mon resto que j'allais ouvrir. » J'ai vu des gens traverser la rue, puis la petite fille est enroulée dans un... C'était une petite fille, puis elle est enroulée dans un tissu. Puis c'est comme s'il cachait son visage, puis il se tournait pas que je les vois, puis ils ont été surpris que je les vois, puis ils sont partis à courir vers la marina. Puis que la police fasse « OK, cool, parfait. » Ben, fin. Non, ça, c'est enrageant, c'est... Imagine les détectives privés qui trouvent ça 3 ans après. À ta minute, t'as ouin, man. Ah non, ben, souvent là-dedans, là, c'est les parents qui font ça. Mais après ça, il y a toute la... Et j'en ai pas parlé là-dedans, mais on va le dire. Ce qui est dégueulasse, c'est que je veux pas accuser, mais un des soupçons est que il y a tellement eu de développement hôtelier dans cette région-là, il y a tellement d'argent qui a été investi, il y a tellement eu de mauvaise presse que ça les aidait si c'était les parents qui avaient fait ça et non quelqu'un autour qui avait kidnappé un enfant dans un resort familial. Mm-hmm. Absolument. Et le tourisme portugais s'en est vraiment, vraiment mal porté dans les années qui ont suivi. Parce que les familles ne voulaient plus aller au Portugal. On kidnappait des enfants au Portugal. Pourtant, il y a des enfants qui se kidnappent partout.
Mais le Portugal ne voulait pas ça. Mm. Et est-ce que Gonzalo Almaral, Gonzalo, qui était en charge de l'enquête, est-ce que cet homme a reçu des directives plus hautes que lui en disant « Faut que tu trouves une solution, mon gars, parce que c'est pas nous autres qui a kidnappé cet enfant-là. Faut pas que ça soit nous autres sur un resort, dans un truc touristique, alors qu'on vient de développer le tourisme, ça fait même pas 20 ans dans ce coin-là. Il y a des complexes hôteliers qui se bâtissent. On parle de milliards de dollars pour de tourisme. Et là, tout le monde nous regarde parce qu'on n'est pas capable de trouver l'enfant. Trouve une solution. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Moi, je pense que oui, à l'interne, c'est de même que ça a chié. D'après tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai regardé comme documentaire, je suis persuadé que c'est ça, c'est de la pression à l'interne pour ne pas salir le nom du Portugal. Après ça, la police portugaise n'est jamais aussi efficace que la police britannique. Et que là, les Britanniques se sont vus empêcher au début d'aller enquêter parce que c'était pas sur leur territoire, mais c'est okay. Une de leurs citoyennes. Fait qu'il y a eu beaucoup de bureaucratie, de monde qui court après la queue de chien. Là. Tu sais, le chien qui se court après sa propre queue. Là. Oui. Et pendant ce temps-là, là, personne cherche la petite fille, man. Personne. Puis, on parle de minutes. La disparition d'un enfant, c'est une question d'heures. Chaque heure, sa vie est en danger. Ben, c'est pas comme un adulte. Il ne peut pas se sauver nécessairement, il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer, il n'aura peut-être pas l'intelligence d'aller chercher de l'aide avec telle solution. Donc, l'enfant qui est pris dans un char, qui a peur, ne va pas se lancer en bas du véhicule comme nous, on le ferait si on se faisait kidnapper. Exact. Donc, 7 heures de temps, tu es dans une des plus grandes villes au monde, Madrid, ou au Maroc, man. Sais-tu quand tu es plus retrouvable au Maroc après? Tu peux pas l'enquêter comme tu veux sur ces territoires-là. Fait que, la place est ultra stratégique dans la cité, c'est comme pauvre petite fille de 3 ans qui allait fêter ses 4 ans, pauvre parents qui vivent avec le soupçon des gens. Parce que vous savez comme moi, là les gens, il y a du monde qui les accuse encore, même si ça a été avoué que c'était une erreur de traduction. Ouais. Les gens sont épais. Fait qu'il y a encore du monde qui fait « Ah non, moi je suis sûr, c'est eux autres. » Arrête, si jamais ça avait été dit que c'était peut-être eux autres. Man, les parents, ils ont... Pourquoi? Il n'y a aucune raison de les accuser. Puis en plus, là, ils ont été lavés de tout soupçon. Mais le tort est fait. À vie, eux vont se faire pointer du doigt. Absolument. En plus de la tragédie qu'ils ont à vivre, ouais. Ils vont la porter sur leurs épaules. Ah non, c'est inhumain. Ça se peut pas. C'est vraiment difficile comme histoire, Joe. Vraiment. Je l'ai trouvé... Écoute, le documentaire, je pense que j'ai pleuré à peu près 4 fois en le regardant. Ouais. Ma blonde aussi. Là, après ça, j'en ai regardé 2-3 autres sur YouTube. Après ça, j'en ai regardé un autre sur un site avec des images de la petite Maddie, man, les dernières images qu'ils ont d'elle. Là, après ça, c'est de lire une cinquantaine d'articles de jour. Parce que, tu sais, quand tu commences et tu es passionné par une histoire, tu arrêtes de lire les mille et une théories. Tu essaies de construire une histoire avec ça. Et c'est de voir de quoi elle aurait l'air aujourd'hui aussi. Parce que le problème, c'est que pendant des années, les médias ont nui à la situation en postant toujours des belles petites photos de la petite fille cute de 3 ans. Alors qu'on sait bien qu'elle ne doit plus ressembler à ça du tout. Elle ressemble plus à ça du tout. Elle a 10-11 ans. Arrêtez de mettre des photos cute pour vendre la copie, tu sais. Les médias ont vraiment mis des bâtons dans les roues. Puis, si vous voulez en savoir plus, le documentaire sur Netflix, vous tapez Maddie McCann, c'est ça le nom. On vous le partagera sur notre page Facebook du PAC-SAC. Difficile comme parent de ne pas devenir freak après ça. Moi, je ne verrai plus jamais la liberté de mes enfants de la même façon. Je pensais être un papa lousse. Check-moi bien, mon gars, man. J'avais tout le temps l'impression que le monde exagérait avec les histoires de pédophilie, mais là, c'est comme non. Il y a des fucking réseaux. Ils ont réussi à en faire tomber, mais il en reste encore tout plein. Sur le dark web en ce moment, tu as la vente d'armes à feu suivie de la pédophilie. T'imagines-tu? Si on dit le dark web, là, on n'est pas des nonos, là, on a 30 ans un peu plus, puis on sait comment ça marche, Internet, puis tout ça. Là. Ouais. Fait que... on dit dark web, je ne sais même pas par où commencer. C'est ça, moi non plus, je ne sais même pas comment rentrer c'est sur le dark web. C'est un autre monde. Ah ouais. C'est vraiment ça. Puis, en tout cas, c'est fucked up. Fait que c'était mon oral qui durait vraiment trop longtemps, je suis désolé, mais je savais que c'était quand même assez intéressant. Alors, ferme ma gueule, c'est à ton tour, veilleux. Non, mais merci, Joe. On sort toujours aussi émotif de tes oraux. yep. Sorry de faire mourir. On est ému, exact, oui. Et moi, on commence avec un extrait musical pour débuter mon oral. So rah! Back to school de Deftones. J'ai au moins l'air heureux dans la classe. Là. Il y a Joe qui a les deux bras dans les airs. Moi, Deftones, c'est top 3 de mes bands préférés ever. Woo!
J'ai bon, ben, là, tous les albums, je capote sur eux. Oh mon Dieu, je les aime. J'espère que tu as aimé mon oral. Mathieu, est-ce que tu aimes Deftones un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout? Hein? La réponse, c'est pas tant? Pas tant. Ah, c'est correct. Mais je pense qu'il les connaît pas assez. Non, mais c'est ça, j'haïs pas ça, c'est juste que j'ai jamais vraiment écouté ça. Je suis persuadé que je préfère écouter des chansons. Ce sera ma mission de ce soir. Pourquoi on parle de Deftones? C'est pour souligner le 20e anniversaire de l'album White Pony du groupe, qui est un des albums qui est considéré parmi les meilleurs des albums de la scène métal alternatif. C'est la semaine passée, là, tout bonnement, mon ami Alec Ponovo, il poste une story Instagram, il écoutait une des chansons de l'album. Je me suis dit... Aïe, aïe, grosse track. Moi aussi, je vais réécouter cet album-là. Tellement bon. Le lendemain, mon ami Étienne Vibeau-Morin publie un statut sur Facebook qui mentionne « Il y a 20 ans aujourd'hui que l'album White Pony de Deftones voyait le jour. J'ai abusé de ce CD qui est toujours autant excellent, le meilleur de Deftones, selon moi. » Et je me rappelle qu'on était montés de Saint-Georges-de-Beauce à Québec avec Poule. Shout-out à mon ex Sébastien Poulin, un surnom très masculin, Poule. Pour aller au HMV de Place Laurier à Québec, pour aller acheter l'édition spéciale de ce CD-là. Lui, il avait la version avec le case noir, moi, j'avais la version avec le case rouge. Et puis, on a même demandé les affiches au magasin, les affiches qu'il y avait dans la vitrine, si on pouvait venir les chercher dans une semaine, tu sais, si on avait le droit. Hey, à quel point, les gars, c'était gros des sorties d'albums. Ah, oh, je m'ennuie de ça. Mais les sorties d'albums qu'on attendait là, vraiment avec impatience. Tu sais, maintenant, on sait qu'une chanson va sortir sous les coups de minuit à vendredi. Puis là, au mieux, le matin, quand on se réveille, on s'en rappelle, puis on l'écoute. Puis encore mieux, si on capote, on va le partager sur nos réseaux sociaux. Mais c'est pas mal ça, là, l'événement autour de la sortie d'un album, là. Avant, c'était gros, c'était excitant, c'était prenant, c'était encerclé sur ton calendrier. Alors, c'est un petit shout-out à ça que je veux faire avec l'oral d'aujourd'hui. Suzy Veilleux, Jonathan. Mathieu Genet, qui a été travaillé longtemps dans un magasin de disques. Je savais que tu t'en allais vers ça. Ah, mais non, mais on va dire, c'est positif en plus. C'est combien de fois tu m'as vu arriver pendant que tu ouvrais ta grille quand on a commencé à travailler, à se tenir ensemble? On avait 17-18 ans. Moi, j'étais le gars qui partait en vélo, qui allait au Music World m'acheter l'album avant tout le monde. Deftones, Around the Fjord, j'étais devant le. Puis j'attendais que le gardien de sécurité me débarre la porte pour aller le chercher. Et je lisais les paroles en arrivant chez nous à San Indien, puis je l'écoutais 3-4 fois. Oui. Ce feeling-là de je regardais la pochette, puis là, on feuilletait toutes les pages. C'est pas compliqué, on donnait quasiment des bisous à chaque page dans la pochette. Oui, là, c'était vraiment. Il y avait vraiment une relation. C'est ça, autre, là, comme physique avec l'achat de la musique et tout ça. Fait que moi, je vous parle de... Pour souligner ça, je n'ai pas le choix de relire un jeu de mots poche que j'ai lu dans un article sur le sujet. White Pony, 20 ans après, Deftones galope toujours. Oh! Épouvantable. D'ailleurs, le chanteur a déjà avoué que c'est un cheval sur la pochette. Ce n'est même pas un poney. C'est un cheval. Alors voilà, ben là, j'aimerais ça commencer. On fait un retour dans le temps. On fait un cours d'histoire comme il se doit. Qui est Deftones? Bon, Mathieu, OK, si correct. T'aimes ça, mais là, il ne faut pas que tu voles toutes mes cues. Non, mais je vais arrêter de parler pour vrai, promis. Mais là, pourquoi je fais un petit survol de qui est Deftones? C'est parce que, tu sais, vous dites, voyons, on sait c'est quoi? Les petits blonds. Savez-vous c'est qui, Deftones? Je suis convaincue que non. Oh mon Dieu, shame on you bitches! Bon, les deux font un signe de tête que non. Fait que vous voyez, c'est pour ça que l'oral a lieu aujourd'hui. Alors, il était une fois Deftones, où comment un accident de voiture a cloué un adolescent californien dans un fauteuil roulant s'est avéré un moment très décisif pour le restant de ses jours. On parle de Stephen Carpenter, qui avait 15 ans. Il faisait du skate, le petit gars, il s'est fait renverser par une voiture, et puis il était vraiment comme mal à manger. Il a profité de son immobilisation pour apprendre la guitare.
Lui, c'est un fan de métal. Il s'inspire du Big Four, c'est-à-dire Anthrax, Megadeth, Metallica, Slayer. Il a vraiment le sens du rythme. Il est dangereusement rapide. Et puis, ses amis du secondaire, sa gang de skaters, se rendent compte. « Ah ouais, t'as appris la guitare, c'est quand même le fun. On aimerait peut-être ça. Nous autres aussi, gratter un instrument ou quelque chose comme ça. » Alors là, il y a un des gars de la gang, Abby Cunningham, qui lui est un batteur assez talentueux. Il n'a pas eu l'occasion de s'exercer tant que ça, mais il tapoche un peu depuis qu'il est jeune. Et puis, il a grandi dans une famille musicale. Donc, lui, ses inspirations, c'était plus Cream et The Police. Troisième élément de la gang, c'est leur ami Chino Moreno qui, lui, il est impressionné. Il veut se joindre à eux. Il aimerait ça créer un espace créatif. Lui, c'est ça qui l'allume avec la musique. Il dit « J'aimerais ça qu'on fasse quelque chose qui est en commun, mais je ne sais pas vraiment jouer d'un instrument. Alors moi, je pourrais chanter. » Donc, lui, il adore la musique électro. Il est un méga admirateur de The Cure, Depeche Mode, Michael Jackson. Donc, tu sais, on va un peu ailleurs ici. Donc là, le trio, ça va bien. Ils s'amusent et on dit, bon, ben là, tout bon band de cette époque se doit d'ajouter un bassiste. Alors là, le trio va dénicher Chi Cheng, qui lui, là, c'est un poète. Il aime le reggae, le soul, le country. Il capote sur Willie Nelson puis Dolly Parton. Fait que ça donne vraiment un quatuor un peu spécial au niveau des intérêts. Mais bon, voilà. Donc, ensuite de ça, Chi s'intègre super bien. C'était pas le bassiste le plus... le plus talentueux. Il avait un petit peu du mal à suivre le rythme. Il était souvent décalé par rapport aux autres. Puis là, tout le monde va adopter un running gag. Ils vont appeler ça le Chi Time. C'est un gag qui va vraiment rester dans le groupe. Et puis, cette caractéristique-là, finalement, va contribuer à forger le son unique de Deftones. Donc, comme quoi, hein, il n'y a pas de hasard. Il y a même une chanson, fun fact, qui s'appelle sur un B-side Rarities que j'ai, qui s'appelle Chi Time. C'est justement toutes des erreurs qu'il a faites de bass en studio qu'ils ont mis dans une chanson. C'est hilarant. Ah, c'est cool! Oui, je t'essaierai de t'envoyer ça, Veilleux. Puis l'autre affaire aussi, je pense, Veilleux, je l'ai déjà dit, le nombre de filles qui sont venues dans ma chambre à l'adolescence et début vingtaine et qui se sont fait tripoter sur du Deftone, mon ami. Ben, il y a quelque chose de très sulfureux, là. Hey, moi, là, du Deftone, c'est fait pour fourrer cochon puis se mordre la lèvre. Ça te set un mood, comme on dit. Bon, ça dérange pas, je baisse mes pants. Ce sera un oral, les culottes baissées. Non, ben c'est ça. Bon, ben là, les gars, donc, ils jouent ensemble, ils ont du fun, mais là, c'est pas des nonos, les gars. Ils disent, hey, toi, notre ami qui a eu un accident puis qui a reçu ses sous parce qu'il ne peut plus bouger en ce moment, qu'est-ce que tu dirais qu'on investisse tous les sous que toi, tu as reçus dans du matériel qu'on pourrait s'acheter pour réussir à monter sur scène? C'est ça qu'ils font. Ils prennent ces sous-là. Et puis, Deftones est né. Ensemble, les gars vont pratiquer dans le garage de la mère de Stephen. Ils sont entre deux, trois bacs de décoration de Noël. Ils composent des chansons très abrasives et puis ça donne quelques spectacles dans leur ville natale de Sacramento, en Californie, qui a été très apprécié. La scène locale, vraiment, là, ont un petit coup de foudre pour ce groupe-là, dont le son est super puissant, super solide, assez unique aussi. Donc, là, on était en 88, fast forward, on est en 1994. Il y a un petit label qui découvre Deftones. Et puis, le petit label, savez-vous, il est dirigé par qui? Madonna, comme ben Madonna non, dirait. Madonna dirige le label qui signe Deftones en 1994. Il va ensuite sortir un premier album, Adrenaline, dites-le bien, paru en 1995. C'est davantage un album d'expérimentation qu'un désir là, de paver leur carrière devant eux. Les paroles sont toujours redirigées vers le point de vue du locuteur, donc de Chino qui écrivait les paroles. Ça traite de sujets vraiment en lien avec l'adolescence. Et puis, Chino va pas mal plus rapper que chanter sur cet album-là. On écoute un extrait de Bored. Alors,
Alors, les gars sont surpris, mais fébriles aussi que la compagnie de disques Maverick, la compagnie de Madonna, leur demande très rapidement de retourner en studio. Ça a du succès, ça va bien. Ils disent « Envoyez les gars, enregistrez du nouveau matériel et essayez de devenir un petit peu plus sérieux là, par rapport à la musique parce que ça peut vraiment marcher votre affaire. » Alors là, c'est vraiment un moment décisif pour eux. Ils disent « OK, on croit en nous, on croit en notre potentiel, on sait sur quoi on est unique, alors tapons le clou là-dessus et puis on se lance pour faire une espèce de vraie première. » Mais là, entre-temps, ça va super bien leurs affaires. Ils sont propulsés dans les premières parties de Korn ou encore de Ozzy Osbourne. Et puis, ils se font vraiment une place parmi les meilleurs. Alors là, leur son, à ce moment-là, devient une espèce de mélange de post-punk, de new wave, de hard rock, de metal. Et puis, ils deviennent précurseurs du mouvement new wave. Bien, N-U, pas N-E-W. N-U, wave. New wave. New wave? Hein, oui. C'est ça. Fait qu'ils se distinguent... Par ça, ils vont se distinguer des groupes qui sont plus new metal. Alors, c'est leur petite distinction ici parce qu'ils vont vraiment mêler des mélodies plus calmes, plus harmonieuses à des gros riffs super énervés. En 1997, ils vont lancer l'album Around the Fur, et puis on va vraiment être témoin d'une grosse progression musicale avec cet album-là. Chino va plus écrire les paroles à partir de sa propre perspective, mais plutôt, il va aller chercher des espèces de fictions glauques, il va aller créer des univers imaginaires à la The Cure. Voici un extrait de My Own Summer. Les choses vont de mieux en mieux pour Deftones. On va même intégrer un DJ Frank Delgado, qui avait collaboré pour quelques chansons ici et là, mais là, il devient vraiment un membre officiel du band. Il va aller chercher, il va aller créer des sons, des rythmes, des textures avec ses tables tournantes. Puis à un moment donné, éventuellement, il va plutôt délaisser les tables tournantes au profit des synthétiseurs. Et puis, vous remarquerez, là, ces scratchs, ces échantillonnages sont toujours plus ambiants que hip-hop. C'est très rarement, là, il va très rarement puiser dans la discographie des autres. Ça va être plutôt des créations à lui. Par ailleurs, en ce qui a trait à la composition des chansons, justement, les chansons, là, eux, ils débutent toujours par une session de jam, jamais avec une idée trop précise, pas trop de paroles décrites non plus. Et là, s'ils cliquent soit sur un riff de guitare ou un beat de batterie, ils vont enchaîner à partir de ça. C'est vraiment de façon communautaire qu'ils vont créer, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va se confronter. Le processus démocratique, c'est vraiment important pour eux. La pièce doit plaire à tout le monde, sinon, ils la scrapent. Je vous disais que le groupe se considère comme heavy. Eh bien, c'est vraiment l'album White Pony qui a été conçu dans l'optique de poursuivre l'expérimentation musicale qu'il y avait, oui, mais aussi l'ambition de se distancer de l'étiquette du nu metal. Alors, ils vont vraiment essayer, parce que là, en ce moment, là, il y a vraiment tous les groupes autour d'eux qui essayent de dire « Oui, nous sommes derrière ce mouvement que nous avons créé ce style. » Puis eux sont comme « Non, nous autres, on ne sonne pas comme vous autres. On vous aime beaucoup, mais Family Values, ça ne nous ressemble pas. » Ça ne nous ressemble pas, puis ils... Oui, fait qu'ils sont un peu... ils essaient un peu de se détacher de ça. Et puis, ils y parviennent en partie avec l'album White Pony. On écoute « Change ». Chambre à coucher de jeunes vierges. Le nombre de personnes qui se sont fait manger le cul sur cette drac-là, veilleux. Hey, je fais une chronique full sérieuse, là. Non, c'est ça. Donc là, l'album a 20 ans. L'album il a vraiment marqué pour le son de Deftones. Il a marqué aussi par différentes collaborations qui sont sur cet album-là. La chanson Passenger, par exemple, a été enregistrée avec un des gars de Tool. Maynard. Comment? C'est Maynard. Comment il s'appelle, non? Maynard, exactement. Ouais. Maynard James Keenan. De Tool.
Il y a également Knife Party qui a bénéficié également de Roadline Gestix. Et puis, il y a également la chanson RX Queen qui a été composée à quatre mains avec Scott Whelan de Stone Temple Pilots et Chino Marino. Alors, très le fun. Parlant de Chino, vous avez remarqué, là, tous les extraits qu'on a entendus aujourd'hui sont très différents les uns des autres parce que lui, il a vraiment, il se distingue vraiment par sa voix. D'ailleurs, il a souffert de la paralysie d'une de ses cordes vocales en 2001. Puis là, il a compris qu'il devait prendre soin de sa santé puis de son corps puis que la vie de rock'n'roll, c'est belle fun, mais il faut faire dodo un peu puis boire de l'eau parce que sinon, c'est difficile. Parce que son registre est très impressionnant. Il passe de ténor à quatre octaves à 2,5 notes. J'ai lu ce que j'ai dit. Hein. Il parvient à osciller entre cris très aigus. Il y a des timbres super chaleureux, voire très sexy aussi là, par moment. Alors, c'est vraiment très unique la façon qu'il a de chanter. D'ailleurs, il a été vraiment influencé par plein d'autres artistes. Il mentionnait le chanteur de Faith No More, le chanteur de Bad Brain. Il a mentionné également Prince. Alors, c'est des influences qui sont très différentes et puis qui contribuent à l'unicité du groupe vraiment. Et puis voilà, fait que moi j'ai vraiment réécouté cet album-là dans les derniers jours, 20 ans plus tard. Je trouve que c'est encore un album super important. L'album d'ailleurs, ils ont vendu 177 000 exemplaires la première semaine seulement. Ils ont grimpé à la troisième place du classement dans Billboard. Et puis en 2001, White Pony a reçu un prix dans les Grammy Awards comme le Best Metal Performance. Et puis en 2002, l'album est certifié disque platine et pour 1 million d'albums vendus. Et White Pony, comme je disais, avec Around the First, c'est vraiment considéré comme le chef-d'œuvre du groupe par à peu près tous les fans puis à peu près tous les critiques. Je vous parle un peu de l'histoire de Deftones. Je ne peux pas conclure ça sans mentionner un moment super marquant pour le groupe. C'est en 2008. C'est le bassiste Chi Cheng qui a été victime d'un accident de voiture. Il est tombé dans le coma. Il est décédé malheureusement à la suite de ça, d'un accident cardiaque en 2013. Puis, comme je le mentionnais au tout début, vous avez compris, c'est une gang de skaters. Là. C'est des gars, des amis du secondaire. Ça a été très difficile pour le groupe. Les autres membres ont continué malgré tout. Ils ont été super prolifiques créativement. On ne va pas dire grâce à ça, mais un peu, ça les a bottés un peu sur comme, hey, nous autres, on est en vie puis on va continuer à faire ce qu'on est bon puis ce qu'on aime. Et puis, ils ont engagé le bassiste Sergio Vega pour remplacer leur ami, même si ça devait être assez difficile. Fait que c'est un groupe qui connaît une longévité assez peu commune pour le genre. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des rumeurs d'albums qui devaient sortir en 2020. J'ai regardé une entrevue justement avec le chanteur qui mentionnait « Ouais, là, c'est un petit peu spécial, on va peut-être retarder un peu. » Mais il y a encore vraiment beaucoup d'intérêt pour la nouvelle musique que Deftones produit. Puis ça, c'est assez rare pour ce genre pour ce style de groupe-là. Puis c'est ça. Fait qu'ils gardent leur identité musicale super fort. Ça reste des leaders de ce style-là. Et puis c'est franchement impressionnant. Donc, on se croise les doigts pour un prochain album. On se croise les doigts pour une tournée qui accompagne tout ça parce qu'ils étaient supposés venir à Montréal au mois d'août avec Gojira, entre autres. Et puis, moi, je les avais vus au Rockfest en 2015 puis au Heavy Montreal en 2012. Et puis, tu sais, au Heavy Montreal, les deux scènes principales sont une à côté de l'autre. Et puis, c'était... Donc, Deftones était un des leaders de cette édition-là. Et puis, donc, la scène qui était juste à côté diffusait un spectacle de Five Finger Death Punch. C'est des crowds différents. Alors là, pendant le spectacle de Five Finger Death Punch, il y avait... c'est ça, toute une crowd qu'on jugeait un peu. Puis, il y avait une...
il y avait un gros attroupement devant la scène qui allait diffuser le spectacle de Deftones comme une heure et demie plus tard. Et puis, Five Fingers Death Punch ont eu le malheur de jouer un petit peu plus longtemps. Ils ont comme prolongé là, la dernière chanson de quelques minutes. Tu peux pas. La foule devant Deftones huait le groupe. Là, c'était juste comme, mais taisez-vous, c'est insoutenable, on veut Deftones. C'était vraiment un super de bon show, bien meilleur que Five Fingers Death Punch qui sonne la merde. Alors, Suzy. Ceci dit, j'ai une question. Là, moi, je suis un vieux punk grincheux qui a été nourri au punk rock, puis j'ai jamais vraiment embarqué dans cette espèce de vague-là. Mais là, tu disais qu'ils ont essayé de se démarquer du new metal, de, mettons, là, on parle de Family Values, Korn. Comment tu peux, en mettons, 30 secondes, me faire une distinction à moi, qui n'est pas tant féru dans ce genre de musique-là, entre le new metal de Korn et le new wave de Deftones? Parce que je la vois pas. Je sais pas si je vais réussir à te convaincre, étant donné qu'eux-mêmes essaient de se défendre de cette étiquette-là depuis tant d'années. T'sais. Mais je pense que ce serait vraiment au niveau de l'ambiance, des mélodies qui sont apportées dans les chansons. Moins d'accent. Évidemment, les riffs de guitare prennent beaucoup de place, mais prennent pas toute la place. Je pense que des cornes, c'est très soutenu, c'est très rythmé, alors que Deftones va aller jouer dans le beaucoup plus lent, dans l'émotion, mais plutôt dans l'ambiance aussi beaucoup, ce que les formations de nu metal mettent pas vraiment de l'avant habituellement. C'est plus artsy un peu. Là. C'est plus. Hey Chris, oui. Mais c'est là que je m'en allais, Matt. Comme, mettons, toi qui as créé de la musique une bonne partie de ta vie, si tu t'assoyais et t'écoutais un album de Korn de cette époque-là, puis après ça, un album de Deftones de cette époque-là, tu ferais « OK, je comprends pourquoi les gens qui trippent sur un trippent sur l'autre, mais je comprends aussi Deftones de faire « Hey, ouais, man, non. » Chris, on a du synthétiseur, on a de la musique des tunes de 6 minutes, mon gars, ultra planante, si, avec des chants, man. Je pense que tu apprécierais beaucoup aussi les vidéoclips. C'est beau, man. Tu sais, avant, il y avait aussi des vidéos promo pour lancer un album. Ouais. Et puis, je regardais justement cette semaine les vidéos promo de White Pony. Il y a une ambiance, c'est glauque, c'est très épeurant. Tous les humains sont branchés à quelque chose pour respirer. C'est une femme qui fait l'amour avec un homme, puis finalement, on dirait qu'elle va mourir. Puis là, entre ces scènes-là, ces mises en scène-là, ben là, t'as des extraits, t'as Deftones qui joue quelques extraits de l'album à paraître. Puis comme la vidéo, elle dure 11 minutes, 9 minutes. Tu sais, Mathieu... quelque chose qu'on fait? Ouais. Mathieu, mettons là que je te définirais ça avec un type de personne. Korn, Korn, ça vient avec, mettons, une casquette DC Shows puis un T-shirt Monster, ben, mettons. Oui, OK? Je vois. Je vois. Et Deftones, ça va être plus moi puis Suzy, mettons. Mais là, t'as peu, là, à cette époque-là, ça veut dire. Non, je parle, j'essaie de faire comme, mettons, l'ensemble de carrière. Je le vois. Celui-là, yes, c'est moi, bon. l'image que je me suis fait dans ma tête, c'est si, mettons, t'avais, mettons, les Clash puis t'avais les Sex Pistols. Des deux qui est comme peut-être beaucoup plus dans la recherche d'un son. Eh oui. Puis l'autre qui est dans l'espèce de fuck it. On fait du bruit, tu sais. Oui, c'est ça. Puis Deftones, ce qui est agréable de l'album White Pony, c'est que moi qui étais un fan de Adrenaline et de Around the Fjord, quand White Pony est sorti, j'aimais juste deux chansons sur l'album. J'aimais Back to School puis Passenger. Puis le restant de l'album, pour moi, j'étais, mais qu'est-ce qu'ils font là avec le rusty tune de Chris que ça ressemble à du Tool et je déteste Tool. Puis à un moment donné, tu fais. Et là, à un moment donné, tu écoutes puis tu fais, ah non. Je te feel. Fucking bon, man. Puis d'un bout à l'autre, l'album s'écoute tellement bien. Mais sans tout est dit. Les chansons, là, ouais. Et pour tout le respect que j'ai pour tous les autres membres du band, tout va au gars qui crée les ambiances avec son petit pad. Tu comprends? Parce qu'il y a un son qui se ressemble. Hey, tu sais, Mathieu, quand tu regardes, tu écoutes un album de Manu Chao, dès que tu entends piou, tu catches que c'est Manu Chao. Tu comprends? Mais là, cet album-là, tu me feras entendre des notes du keyboard, genre, que le gars utilise, mettons, dans House of Fly. Mm-hmm.
que là, tu fais « Ah, ben oui, ben c'est Deftones. C'est l'album White Pony. » Il y a une ambiance qui a été créée avec cet album-là que ce son-là n'a jamais été réutilisé nulle part d'autre. Même sur leurs autres albums, ça ne sonne pas comme ça. Fait que, tu sais, mettons, le vidéoclip était dans une maison de L.A. tout en fenêtre, genre très arty, tu comprends? Ouais. Il y a des gars un peu décalcés qui font du skate puis qui sont pas comme les gars qui portent des gros souliers de DC puis des... Ouais, ouais. Du 4 roues. Oui, exactement. Hein? Ils vont voir des œuvres d'art, puis ils les comprennent. Tu comprends? Oui, oui, absolument. Ça. OK, c'est bon. T'as répondu. Ouais. Lourdeur émotionnelle. Ça va être ça. Lourdeur émotionnelle. Oui, parce que c'est lourd et beau. C'est pas lourd et triste, c'est lourd et beau. Genre, t'as le goût d'aimer là-dessus, genre. Je pense que vous avez bien répondu à ma question et aux questions potentielles du public qui peut-être se posent. Mais Mathieu, cet album-là, je t'inviterais à l'écouter sans savoir que c'est Deftones. C'est mon devoir. C'est son devoir. Et le premier coup, tu vas faire « Ah, ouais, OK ». Puis à un moment donné, tu vas faire « Hey, non, pour être Chris, cette tune-là, mon gars, il va chercher combien de notes différentes. » C'est la force du chanteur. Chino joue de la guitare pour la première fois sur cet album-là aussi. Ah ouais, je savais même pas. Qui embarque. Après, ça va jamais être lui le leader de la guitare, mais il va accompagner sur tous les autres albums après, puis en spectacle aussi. Mais c'est vraiment à partir de White Pony qui embarque. Donc, j'écoute ça, et si au prochain enregistrement, j'ai une chemise boutonnée jusqu'ici et des estis de long bas avec des bermudas très, très larges, vous comprendrez que je suis un converti. Ouais. Mais je pense plus que c'est comme un mix de deux choses. Je te dirais la chemise attachée jusque-là, mais un peu lousse, avec attachée jusque-là, skinny jeans. Oui, détachée dans le bas. Non, pas les autres. Non. Il va avoir. Il y a pas un look de cholo un peu, Chino? Un peu, mais pas très arty, comme je te disais. T'sais, il va avoir des skinny avec des Converse attachés super serrés. Mm-hmm. Tu comprends? Puis il va être attaché jusqu'en haut, genre bien serré. Mais oui, tu peux la détacher à mi-chemin, mais son côté espagnol n'est pas tant... Si on parle de Chino, ses origines, c'est tellement intéressant. Il y a un père mexicain. Ouais, sa mère est d'origine chinoise, irlandaise, amérindienne et mexicaine. Et là, son surnom, c'est Chino. Son vrai nom, c'est Camilo. Ouais. Et puis, Chino, ça veut dire chinois en espagnol. Donc, c'est comme... Il a quand même hérité des traits asiatiques là, de sa mère. Et fun fact sur Deftones, un peu comme sur Cypress Hill, sur Rage Against the Machine, sur Wu-Tang Clan, il y avait des rumeurs en 2007-2008 que les gars avaient été sous enquête pour avoir fait des shows bénéfices pour les apatistes au Mexique. Oh. Ah oui? Qui est un mouvement révolutionnaire. Et ils ont tous été accusés qu'avec les sous qu'ils avaient engendrés par les shows, supposément que ça avait aidé à payer des armes pour les gens. Ils ont été interrogés pendant des heures. Zach de la Hoya, de Rage, les gars de Wu-Tang, tout, ils ont fait une tournée pour amasser des sous qui étaient pour aider les Mexicains qui avaient besoin d'argent. Mais la rumeur veut que Chino et compagnie et tout avaient fait des chèques au mouvement zapatiste pour se payer des guns, ce qui était cœur. Hein, même si ça me donne le goût de faire un end job aux gars. Ça serait weird comme du Allo Vedette. Jonathan Roche, Cross Chino. Ah, c'est ça pareil. Ben, merci Mathieu, merci Suzy. C'est ce qui conclut ça. On vous invite à aller donner 3$ au Patreon, les réseaux sociaux, de dire oui, Suzy. De lancer la toune Les Petits Blonds. Oui, Les Petits Blonds, c'est vrai. Lancez notre toune de remerciement. OK, c'est parti. Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, Monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements. Alors, un gros merci! Alors, dites-moi, qui se mérite une étoile dans son cahier cette semaine? Larry et Mimi! Larry et Mimi! Yes! Suzy Veilleux et Mathieu Genet, merci. Toujours agréable de faire un podcast avec vous. Je vous aime tellement, les amours. Tellement. On a manqué une semaine dans notre enregistrement, puis je m'ennuyais, honnêtement. Je suis super contente. Hey, merci aux petits blonds, Philippe-Julien Bougie, Clément Hamelin, vous êtes des amours! On remercie aussi Vincent Dargy à la musique d'intro, les sarcastiques à la très cool chanson qui débute Nos oraux et les marmottes aplaties parce qu'ils nous prêtent la chanson que vous écoutez en ce moment, puis on est bien, bien, bien reconnaissants. Merci à Rosie pour le dessin.
tu es très gentil. C'est elle qui a fait nos logos. Et on va bientôt vous en montrer un autre là, qui s'appelle le Jacqueline, que je trouve magnifique. Sur ça, on n'oublie personne. On vous invite à vous abonner à la retenue, parce que nous, on s'en va en retenue. On s'en va parler de plein de cossins qu'on ne vous dit pas là. Puis ça va être super agréable. Et on se voit dans un autre podcast. Au revoir! Bisous! On est-tu en retenue, là? Ah! Woo!